on m'a appris plombage, j'ai toujours dit plombage, on dit plombage, je sais pas trop d'où ça vient. J'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet venir mettre beaucoup d'eau d'un coup et un peu plomber, moi je dis presque noyer le plan un peu, c'est-à-dire vraiment amener beaucoup d'eau d'un coup assez vite pour que toutes les petites particules de terre elles se concentrent autour de la motte et que on le voit quand on plombe comme ça, ça vient aussi effriter un peu plus la terre, l'affiner et venir venir mettre les racines en contact, les racines de la motte en contact avec la terre plus vite quoi. Méditatif. Là on est avec Camille et Margot, on déplace une rampe d'arrosage. Je pense que l'arrosage je vais en avoir besoin pour cette culture là, notamment c'est la carotte. Mm-hmm. Ouais là évident qu'il va me falloir de l'arrosage pour faire la carotte. Le temps qu'elle développe son système racinaire, on voit bien là, à gauche il y a déjà 3 semaines, 4 semaines de pousses. À droite c'est frais de une semaine quoi, on en est au stade cotillédon quoi. Du coup là faut surtout pas prendre le risque, je préfère avoir un peu un surarrosage et assurer ma levée et ne pas perdre le peu qu'il lève avec la carotte. En fait à la plantation j'arrose vraiment à l'arrosoir, au pied, où je mets une très très grosse quantité d'eau et mes goutte à goutte sont plus éloignées. Et du coup, après, quand je prends le relais avec les gouttes à gouttes, ça irrigue une autre partie de la planche. Et du coup, j'incite les plantes à aller chercher, à puiser l'eau un peu plus loin. Mais si on lui donne toujours à boire, si on donne toujours de l'eau vraiment pile poil à son pied, pourquoi elle étendrait ses racines pour aller chercher donc, de l'eau un peu plus loin? Mais qui dit, quand elle va chercher de l'eau un peu plus loin, elle prend aussi... ce dont elle a besoin dans le sol, les micro-éléments pour sa croissance. Elles auront un système racinaire beaucoup plus développé et du coup, elles seront aussi plus costauds. Hein, ouais. Les images, évidemment, on les a fait en plein jour. Après, en aspersion, on arrose la nuit. Hein. Ça nous permet d'être plus efficace et qu'il n'y ait quand même pas de gros chocs thermiques parce que si on balance de l'eau froide sur les salades chaudes, ça ne va quand même pas leur faire du bien. Et d'efficacité de l'arrosage. Si on envoie de l'eau sur un sol chaud, ça va être le même problème, c'est qu'il y aura vachement d'évaporation et ce ne sera pas forcément très efficace. Là, on arrose la nuit sur un sol un petit peu refroidi. Ça, en général, le régulateur il commence vers minuit. Donc, ça nous permet d'être sur un sol un peu rafraîchi. Et du coup, moi, ce que je trouve, c'est que les plants profitent plus la journée. Il y a moins de chocs thermiques et ils diffusent ça toute la journée. Ce qui est moyen, c'est 30 mm par semaine, à peu près. Donc on a un pluviomètre qui est sur le terrain. Et après, pour calculer la quantité d'eau que mes asperceurs, je sais qu'eux, ils font 450 litres chacun, heure. Et comme je ne suis pas encore sûr de comment ils... Enfin, tu vois, c'est 450 litres, très bien, mais est-ce que c'est pareil à 10 mètres, 4 mètres, 80 mètres? Et bien là, je mets le pluviomètre, en fait. Et j'ai mis le pluviomètre à différents endroits de l'arrosage. Quand il y a deux arrosages qui se rencontrent, bien sûr, il y a vachement moins besoin d'arroser. Et quand il n'y a qu'un seul arrosage, ça pleut vachement moins. Et du coup, j'ai réussi à déterminer à peu près qu'une heure et demie, ça faisait bien. Je faisais une heure et demie sur la même zone quand il y a deux asperceurs et du coup, le double, 3 heures. Du coup, en général, je coupe la poire en deux, je mets à peu près à 2 heures, et 2 heures, 2 heures et quart sur un arrosage, et ça me va, ça suffit amplement pour la suite, quoi. J'ai pas besoin d'arroser plus, quoi. Là, sur les temps de passage, je ne lancerai pas de chiffre de comment le faire, parce que ça dépend vraiment de est-ce qu'il a fait beaucoup de vent, est-ce qu'il a fait chaud, est-ce qu'il a fait une petite pluie, est-ce que le vent est hyper important. On a été sur des conditions de vent assez élevées cette année. Et rien que ça, ça change du tout au tout. Et après, sur la question des vents, avec les asperceurs, c'est la dispersion. C'est-à-dire que quelque chose que tu arroses avec du vent, logiquement, n'a absolument pas, il y aura la même quantité d'eau, n'arrivera pas au sol que quand il n'y a pas d'eau. Donc l'aspersion, c'est plutôt le soir et le matin. J'essaye plutôt ça et plutôt mettre sur les gouttes à gouttes quand il y a vraiment gros vent l'après-midi.
bah plutôt mettre les gouttes à gouttes parce qu'ils s'en foutent. L'organisation des cultures, je les ai faites toutes dans le sens nord-sud. Parce que du coup, aussi, c'est aussi chouette. On a aussi le vent du sud, apparemment, de ce que m'ont dit les locaux, il est très violent. Et du coup, le vent du nord, à l'inverse, il est séchant. Et c'est assez chouette parce que du coup, ça permet de préparer le sol, mais c'est aussi plein de maladies en moins pour sécher sous les serres, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Ça évite les maladies, ça évite. Bon, ça ne nous empêche pas d'avoir de la rouille sur l'ail et tout ça, mais je m'étais dit, c'est peut-être ça qui fera qu'on aura vraiment moins de problèmes de phytosanitaires, quoi. Deux fois par semaine, et après, bah, c'est suivant la température extérieure et le climat, mais oui, je mange jusqu'à 3-4 heures. Ce qui permet d'avoir mon volume de terre humide plus conséquent, et du coup j'arrive à avoir entre deux asperceurs cette humidité qui continue entre les goutteurs, en fait, parce que sous chaque goutteur, si je mets un quart d'heure par jour, j'aurai une petite poche humide, mais au milieu ce sera sec. Okay. Et le but, c'est pas ça. C'est surtout à la saison sèche, quoi, enfin juin, juillet, août, septembre, où on n'a pas beaucoup d'eau qui arrive en même temps, et on n'a pas beaucoup de débit pour remplir nos cuves. Et en plus, on n'a pas beaucoup de cuves, enfin on n'a que 8 mètres cubes, donc vu que ça se remplit lentement, en gros ça se remplit en une journée, et on peut arroser qu'une fois, et on n'a que 8 mètres cubes, on ne peut pas avoir plus. Et il y a des fois où moi je pense qu'en plein été, on aurait beaucoup plus intérêt à arroser moins souvent, mais plus en quantité, parce qu'en fait ça sèche tellement vite avec le soleil, le vent, que quand on met, quand on fait un arrosage, on met 10 mm, on va mouiller les premiers centimètres du sol, mais ça ne va pas descendre beaucoup plus bas. Et d'ailleurs on le voit souvent, les pluies qu'on a ici qui sont à 5 mm, 8 mm, on gratte, mais juste avec le doigt, dessous, c'est sec. Et du coup, d'arroser moins souvent, mais beaucoup plus, je pense que ça permettrait de vraiment amener de l'eau en bas, aux racines. Après, de toute façon, l'arrosage, dans un sens, c'est... Il y a plein de questions qui sont résolues, parce que en fait, on n'a pas assez d'eau, quoi. Donc, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc, de toute façon, depuis des années, on arrose au plus urgent. Donc... Là, on a de l'eau ce soir, qu'est-ce qu'on arrose? Ça a vraiment pas été arrosé depuis longtemps, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça a soif, donc voilà, ce sera ça. Moi j'ai mon roulement prédéfini en temps, je pars du principe où on est sur du sec, quoi. Donc sur du sec, je sais que là je marche par deux rampes d'aspersion, je fais un jour ces salades, un jour les salades d'après. Un jour les courgettes, en général je stoppe une nuit et je rattaque dans l'autre sens, quoi. Après j'ai une gouge, hein. C'est un bâton, je le plante dedans, je regarde, c'est quelque chose que j'avais récupéré avec la Dabu, on avait eu une formation sur l'irrigation, il nous a dit votre meilleur outil pour apprécier ça c'est une gouge, hein. Donc je prends, je fais une carotte de terre et je vois un peu mon sol, comment il est fait, quoi. On peut pas dire tous les 10 jours il faudrait y repasser, par exemple. Ça aurait assez peu de sens dans la mesure où il suffit qu'il y ait 5 jours de couvert et ça en gagne encore, ça repousse de 5 jours. C'est globalement, c'est fait à l'œil, hein. Enfin, à l'œil et à la disponibilité. Généralement, moi, c'est une dizaine de jours, je dirais. Mais au bout d'une dizaine de jours, on commence à se dire, bon là, il faudrait remettre un petit coup d'eau quand c'est en période de bonne croissance. Mais il y a des endroits où, par exemple, quand c'est un peu loin, ou je sais pas, ça peut être tous les 15 jours. C'est pas forcément bon. Mais donc ouais, ça dépend de la disponibilité, de ce qu'on a besoin. C'est le problème d'avoir un seul asperceur. C'est qu'on peut pas arroser deux trucs à la fois. À l'œil et puis, j'allais dire, au doigt et en fouillant un peu la terre et voir si elle a besoin d'eau. Peut-être que j'arrose trop, mais je fais aucun. C'est vrai que j'avoue que je fais aucun calcul de TP pour arroser, pour déclencher mes vannes, quoi. Là, il y aurait besoin d'un coup. Je viens de planter des salades assez récemment. Là, ça a bien cogné aujourd'hui. J'arrose la nuit, quoi. Mais en fait, en étant sur place tous les jours, il y a toujours. Je mets toujours les mains dans la terre. Donc finalement, je ne dis pas je vais voir pour l'irrigation, quoi, en fait. Oui. Je le sens. C'est,
c'est là où tu t'aperçois que bon, enfin, on a toujours un peu fait par manière empirique et beaucoup, je pense, au ressenti. Calou, elle me disait tout à l'heure, ah, bah, les tomates, elles commencent à avoir les feuilles qui s'enroulent. Je pense qu'on a des... C'est pas forcément toujours un manque d'eau, mais je pense qu'il y a des... Il y a aussi dans la régularité, dans la quantité qu'on amène à chaque fois, des choses qui influent, notamment sur les tomates. C'est assez sensible, je trouve, au niveau de l'irrigation. Et du coup, on a beaucoup de tomates qui ont les feuilles qui s'enroulent. Alors, voilà, on se dit, bah là, là, il fait chaud, et on a chaud. Donc on se dit que là, elles doivent avoir chaud, parce que ça fait un moment qu'on ne les a pas arrosées. Voilà, c'est un peu c'est un peu ça, quoi, je pense. Le... Moi, je trouve que c'est hyper important de réfléchir à... Oui, c'est bien les, de parler besoin en eau des légumes, mais ça, c'est un peu dans les livres. Voilà, tel légume a besoin de tant d'eau, très bien, ok, mais après, comment on peut faire pour qu'ils en aient moins besoin aussi? Donc voilà, d'aménager, d'avoir plus de paillage aussi... Peut-être d'apporter plus de matière organique pour qu'également il y ait une vie du sol qui soit plus importante, qu'il y ait moins de dessèchement, de mieux connaître notre terrain. On commence petit à petit. Enfin, c'est très lié aussi, je trouve, l'eau au travail du sol.